On se retrouve tous, bonjour à tous, on se retrouve tous sur donc ma chaîne Mister Gaming TV où on va donc essayer de continuer ma mission principale car tout à l'heure le jeu avait frisé, ça m'a rendu fou. Alors on attend bien sûr un petit temps de chargement qui est assez long. Alors on commence exactement pareil. Ça me rend fou, ça me rend fou ça. C'est pas normal. Faire un déplacement rapide hein, parce qu'on va pas chercher à comprendre. Allez, on va essayer de faire cette mission principale. Bonne fois pour toutes. Allez. On recommence. J'espère que ça a pas la frisée, putain. Alors je passe, hein, je suis vraiment désolé. Il a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Ah non, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas possible ça. Oh. Ce matin, ça veut pas, hein? Ce matin, ça ne veut pas. Ouh là là. C'est pour eux.
friser là, là. J'espère que ça va me faire friser, quoi. Dans la demi-mesure. Voilà. Les navires de ravitaillement rebelles doivent être escortés. Tu peux y aller? Alors, il faut que j'aille où? Il faut que j'aille là-bas. Ah, la côte de ta mère. Putain. Alors normalement la bataille devrait être assez facile étant donné que j'ai pris toute la province. Donc ça devrait être très très simple. Aïe. Putain, mais des fois il y a des bugs au niveau des... Des bugs des fois au niveau des grappins, c'est juste horrible quoi. Donc voilà, en fait cette vidéo je vais la retransmettre sur YouTube. Donc j'ai eu un gros problème sur la première vidéo, mais bon c'est pas grave. Donc là on refait la mission. Donc c'est la cette mission là, c'est la dernière mission de l'acte 2. What the fuck, il y en avait encore une tourelle là. Je vais trop vite pour toi. Et donc voilà, je retranscrirai cette vidéo sur YouTube. Comme ça au moins ça fera une deuxième vidéo. D'ailleurs si vous voulez aller voir ma chaîne YouTube, vous pouvez. Y a pas de souci. Alors je dois faire quoi? Ok, faut que je monte sur le bateau. Pour le moment. Ils se font défoncer, c'est normal. C'est normal. Étant donné que j'ai tout libéré avant de faire la mission, ça va aller très très vite. Je sais pas, c'est un bateau ami, ennemi ça? Je sais pas. M'en fous, je tire dessus. Thank you.
Mamba les Wai. Ah, la bataille peut être facilement remportée, donc c'est ça qui est bien. Oh vas-y, c'est bon, c'est pas de ma faute là. Je savais pas moi qui pouvait faire ça le bateau. Et elle est folle elle. Allez, c'est parti, on continue. On est là jusqu'à 11h30 normalement. Ça, c'est réellement contre-temps de ma part. On est jeudi 17. Allez, on essaye d'aller d'avancer, hein. On essaye de faire gagner la bataille. Et apportez le tir du convoi, Rico. Détruis-le. Ah, bah les couilles moi. Fais dans la pas demi de pas dans la demi mesure hein. Viens ici mon petit, viens ici. Voilà. Viens ici. Promis, je vais pas te faire de mal. Du coup, il faut détruire lui aussi. Alors attends. Oh putain mais c'est fou de ce moment. Ah pas encore assez? T'es sérieux? Voilà. Et il y en a encore un. Allez. C'est pas ça qui va à nous. Boum. Voilà. Ah, il faut quand je fasse encore des kilomètres, c'est ça? M'énerve ça. Allez, on va essayer d'avancer un peu plus vite quand même. Donc ça, c'est la dernière mission de l'acte 2. Alors, comment je le sais? Eh ben, c'est écrit dans mes progressions. Vous allez... Donc en fait, c'est facile de savoir si on arrive à finir le jeu ou pas, en fait. Parce que voilà, hein, vous voyez, je suis en train de faire la 8e mission de l'acte 2. Apparemment, ah, il y a 8 missions de l'acte 3. Ok. Alors, au niveau des missions, ça a l'air d'être léger. Mais bon, après, voilà, si on a trop envie de faire toutes les bases, tous les trucs, ça peut prendre du temps, quoi. Alors, par contre, est-ce que j'ai mes statistiques, en fait? Je vais voir le nombre d'heures de jeu que je suis, en fait. Il n'y a pas le nombre d'heures de jeu. Ah, c'est dommage dans les statistiques. Ah non, c'est dommage.
Allez, on y va, on y va. On fait vite, on fait vite. Putain, j'espère que je vais pas mourir asphyxié. Ça commence là. Ouf. Ça commence. C'était long, hein. Ouf, putain. J'ai failli passer là. On avance tranquillement. On est en train de faire donc la dernière mission de l'acte 2. Elle est vraiment pas mal. Après, il y a des missions, franchement, c'est des missions qui ne servent à rien, moi, je trouve. J'ai des missions qui ne servent à rien dedans. Genre, il y avait une mission où on devait transporter un camion plein de tonneaux de vin et les amener d'un point A à un point B. Alors ça, des fois, je... Voilà. C'est vraiment des missions qui sont au bois des îles. Oh là là, je suis con. Pourquoi j'ai utilisé la grenade, putain. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Bon, alors toi. Ah merde. Hein? Pas me casser les couilles. Ok. Alors, ça c'est fait. Alors, moi du coup, je devais faire celui-là, là. C'est les coups, moi je vous le dis de suite. Hein. Alors, il est où l'autre générateur? Il est là-haut. Ah, ça va aller vite. Ah, toi, tu me cherches des embrouilles. Alors, il est où l'interrupteur? Voilà. Voilà, hein, on va pas me casser les couilles, hein, moi je te le dis de suite. Sort de là, le noyau de bas.
générateurs. Rico, vite, la pression des générateurs grave. Voilà, voilà, voilà. C'est fait, c'est fait. Wouhou ! Une lame fusée. Voilà comment défoncer une petite base. Tranquillement, de bon matin. C'est une mission facile. C'est pour un petit déjeuner, ça. Hop là, plongeon de la mort. Et lui, imperceptible, il ne bronche pas. Ah, c'est pas mal. Est-ce que nous commençons à mettre Diravelo en colère? Je pense que oui, quand même. Alors, on a gagné quoi? Une arme, le Thunderbird. Ça, c'est cool. Rico, t'es là? Dima a décrypté les infos du vol. Rosa Manuela rentre enfin à Medici. Elle se dirige vers le nouvel avant-poste rebelle au pied de la montagne. Mais si on est au courant, Sheldon aussi. Il va lui... Alors, du coup, au niveau de la mission, prochaine mission, c'est ici. Ouais, mais bon, il va falloir que je commence quand même à libérer. Hein. Voilà, c'est pour ça, parce qu'en fait, moi, ce que je suis en train de me dire, mais merde, là, les petits pointillés étaient rouges avant, parce qu'en fait, il fallait que je fasse la mission. Donc maintenant, voilà, vous regardez, tout ça, c'est à moi. Voilà, et ça, c'est quoi, là? Il doit y avoir sûrement quelque chose ici. Ouais. Il doit y avoir sûrement quelque chose ici. Il va falloir qu'on commence à libérer des îles. Hein. Un petit peu, parce que faire des missions tout le temps. On va commencer par libérer donc celle-là. Étant donné qu'on n'est pas loin. Enfin, je crois. On va essayer de commencer par libérer celle-là. Alors, en livraison rebelle, donc du coup, qu'est-ce qu'on a gagné? Le Thunderbird, une super arme. Oh, ça c'est bon ça. C'est une super arme. Ah, c'est pas mal. On va la tester, tiens. Un véhicule. Alors, on a gagné des véhicules aquatiques, ok. On a gagné un hélicoptère aussi, ouais, on a compris. Mais moi, il me faut le Navarro. Alors, si le Navarro ne marche pas, parce que des fois, j'ai des soucis. Oui, oui, je dis bien, j'ai des soucis avec... Alors, tout est bloqué, en fait. Alors, par contre, les choix des armes, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui est dommage. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Non mais je veux pas celle-là, moi je veux la super arme. Voilà. Allez. Voilà. Comme quoi des fois j'ai vraiment des... Des fois j'ai des problèmes avec les livraisons, c'est-à-dire que des fois... va savoir pourquoi, je me fais livrer un hélicoptère et il se détruit dès son arrivée quoi. Ça, ça me saoule ça par contre. On a le petit turbo, histoire de...
libérer. On va essayer de libérer cette petite ville là. Alors comment ça se fait que... Putain, je... Ah parce qu'en fait j'ai pris l'hélicoptère de merde, c'est pour ça. D'accord, j'étais en train de me dire mais comment ça se fait que je n'ai pas de... Que je n'ai pas de d'armes. Mais c'est normal, c'est un hélicoptère de merde. Je vais pas le mettre au milieu de la route, l'hélicoptère, on sait jamais, il peut toujours m'être utile après, plus tard. Allez. C'est parti, oulala. On a énormément de choses. Voilà, on va faire des petits trucs comme ça. On va poser des... Voilà, des petits trucs comme ça, là. Histoire d'être tranquille. Pas trop, trop se faire des... Ça va, Cocorico? Voilà. Et on va essayer d'admirer notre destruction de là-haut. Alors, ça c'est fait? Essayer de me chercher. Oh, ça va pas être possible. Quelle est la situation? Répondez. Alors on va essayer de faire les détections de surveillance là. Alors. En une minute. T'es sérieux, en une minute, ça va être pas possible. Une minute. Faut gérer. Ah. Je
Waouh, 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 je l'ai fait. Putain, je l'ai fait. Oh, c'était chaud quand même, hein. Voilà. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Celle-là. C'est parti, mon coco. Allez les rebelles, on y va. Qu'est-ce que tu fais? On pouvait pas tout avoir quand même. On a bien tout défoncé quand même là. Alors. Ah ouais, mais ça sert à rien en fait.
c'est fait. Voilà. Ouch! Putain, je me suis fait défoncer là. Sur la tête de ma ministère. Alors, on a pris le commissariat, ça c'est bon. Il y a des armes ici. Alors, il me faut. Ah, il y en a une déjà. On attaque la cible. À toutes les unités, rejoignez les coordonnées suivantes. Alors là, il devrait avoir une antenne. Du protocole de recherche. Trouvez la cible le plus vite possible. Voilà, il y a une antenne ici. Je l'ai vue. Voilà. Il reste un panneau. Alors, où est-ce qu'il est ce panneau? Ah, il doit sûrement me le dire sur la carte, on va voir. Ah, bah ils sont tous là. Voilà. Contact visuel perdu. Dispersez-vous et cherchez-le. Alors là, il y a un panneau. On envoie des renforts navals sur votre position. Ah, il reste encore des panneaux, hein. Ah là, il reste encore des panneaux. À toutes les unités, revenez en position. Le rebelle s'est enfui. Et commencez à nous tenir droit. Alors, les haut-parleurs, c'est fait. Et le panneau, il est là. Eh ben voilà, hein. Allez, c'est parti. Voilà, la ville elle est libérée, délivrée. Libérée, délivrée. Comment il fait ça? Partie magnifique. Je donnerai pas de conseils à un homme. Ouais, j'ai pris. Génial. La milice de Diravello. J'ai pris toutes les trucs. Bon, ben. Alors, du coup, maintenant, ici, si on continue. Là, il a dû avoir ça, ça doit être une base. Quelle heure il est fou, 10h30. Bon, écoutez, les amis, je suis un petit peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi. J'espère que ce stream vous aura plu quand même. Je vais mettre transférer la vidéo sur YouTube de suite.
Je vous dis donc à bientôt, et normalement ce soir je ferai une vidéo, une autre vidéo pour YouTube, étant donné que j'arrive pas à streamer le soir. Donc ce sera une autre vidéo sur YouTube. Je pense que je jouerai un petit peu à... On va changer un petit peu. Je pense qu'on va faire un peu du Assassin's Creed Syndicate. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et j'aimerais bien y jouer. Donc voilà. Bonne journée à vous et à bientôt sur ma chaîne Mister Gaming TV.